rappelé, en 2024, nous disons nous avons fait une révolution. Et la révolution a commencé justement le nous prenons pouvoir. On va faire révolution tout en beaucoup sous pouvoir. Nous travaillons pour nous arriver vers la révolution. Un bon exemple. Thomas Sankara a commencé le mouvement révolution Burkina Faso en 1983. Vous pensez combien de temps, presque 40 ans après, un jeune garçon qui part même là, le monsieur voulait un mouvement, ça a fait une réforme sérieuse en profondeur au Burkina Faso. On a parlé de jeune capitaine et Traoré. C'est comme ça. Donc, révolution, même mouvement 2004, elle a commencé en 1999. Mais c'est en 2004 que tout le monde dit Noël, le Nifin arrivé net. Nous avons songé qu'après l'élection de 2000, 11 commissaires sont obligés de courir à l'exil. Parce que c'était un mouvement pour changer les bagailles, parce que nous avons accepté. Jean et le président Aristide ont géré et dirigé le pays. Donc, mouvement révolution printemps. Mais est-ce que vous pensez comme Sindazo et guerre dialectique là, Paléa, les suffit pour prendre pouvoir ou bien pour qu'il y ait un changement vraiment? Oui. Nous avons deux gens qui prennent pouvoir actuellement pour nous faire une révolution. C'est ou bien le peuple là-bas, il est pour Sri Lanka, le peuple là-bas, il est campé face à l'étorsionné, tout le monde qui a tiré sur lui, mais il n'a pas peur, il n'a pas fait lâche, il est campé et il envahit par les nationales, il envahit et primature, et il dit mais quel type de gouvernement il a, il envahit la rue tout côté dans le pays, il dit mais qui ça revient, il est fatigué avec l'ingérence américaine, parce que, pas de tête de mentir, tout le plus gros frein pour le développement en Haïti, c'est l'ambassade américaine. L'ambassade américaine, c'est le plus gros frein pour le développement, et pas anti-américain. Pas anti-américain, pas contre américain, pas contre canadien, pas contre France, pas contre Chine, pas contre la Russie. Seul ça moi-même m'a essayé ouais qui gens pour peuple sortir dans misère que il y a là. Et je dis là bien analyser tout bagaille. Puis gros frein Haïti gagne en face lui, c'est ingérence que l'ambassade américaine a fait dans affaires internes pays d'Haïti. Vous t'ai parlé de en fait l'autre gagne momentum en plus. Vous t'ai parlé de un certain amnistie pour gagner comme moyen pour jouons la paix pour nous pacifier le pays, etc. Sans nous ne pas obligés de gagner une force étrangère qui vient dans le pays, nous te jouons l'autre solution. Et c'est de monde pour te parler avec eux préalablement ou bien pour penser qu'il était carrément dans la logique pareil. Pour finir pour nous, première question, déposer la question le 7 février. Et attendre le peuple là, oui, le peuple a été content. Mais sous songer, depuis le premier jour, je m'ai parlé de révolution, je m'ai dit que c'est une révolution pacifique. Nous pas qu'à gagner aucune autre révolution en Haïti. N'importe l'autre jeune fait le système n'a pas pris la main. Nous prenons des armes, nous prenons des nationales, le système n'a pas mis pied sous le coup, nous prenons. Nous n'avons pas besoin de plus d'armes que les Américains, nous n'avons pas besoin de plus de force que les Américains, nous n'avons pas besoin de plus de criminels que les États-Unis avec tout le groupe qui a crasé Haïti depuis combien de temps. Donc si on prend un bout d'armes pour aller au pouvoir, il a pris le nom d'armes, il a déstabilisé. Seul gens qui a pris le pouvoir, c'est le peuple qui a aboli. C'est ou bien le peuple a aboli, j'aime dire là, ou bien le aboli tant que le Sénégal. J'aurais monsieur sénégalais fait commencer la révolution là, je dis là, essayer de libérer et Sénégal de emprise et la France. Donc c'est comme ça seulement qu'on fait révolution ça en Haïti. Avec ZAM, il n'y a pas de aucun côté. Aller pour ZAM, pour un groupe armé, rentrer dans le parc national, nous avons fait un bagage qui vient bon pour 10-15 nègres qui sont dans tête mouvement, qui font l'argent et puis qui allent à l'école, qui en exil. Mais si c'est pour nous changer la société, si pour nous changer la structure de l'État, si pour nous venir Haïti plus juste, plus égalitaire là, c'est deux gens seulement qui ont fait. C'est à la Sri Lanka ou suivre l'exemple et Sénégal. Pour question amnistie, je ne dis pas que je vais amnistie pour gang. Je dis que je vais amnistie. Et je pense que amnistie pour nous arriver dans la réconciliation nationale. Si pour nous arriver sur la route que nous voulons, il faut gagner amnistie. Je dis amnistie, ce n'est pas pour gang. Et je m'explique bien, ce n'est pas pour gang seulement. Je dis que je vais amnistie pour tout le monde qui connaît ou fait pays à tort. Pour nous venir faire sacrer les boros ni Quinta Nueva. Nous effacer tableau et puis nous allons recommencer sur l'autre bagaille. Moyennant que nous mettons balise pour même des zones qui étaient faites, qui l'ont Haïti dans tout ça, pas retourner faire encore. Qui est-ce qui gagne? C'est l'injustice sociale qui gagne. Qui est-ce qui gagne? C'est la misère qui gagne. Tout le monde met parler. Oui, non, Haïti est toujours pauvre. Non. Misère extrême, ça, les mène à côté de là. Nous ne sommes pas moun encore. Les gens qui dirigent en Haïti, c'est voler seulement, c'est prendre l'argent, riche, acheter un appartement dans l'autre bord. Regardez comment ils ont écrasé tout le bon pays. Premièrement, ils volent les cobres dans la question coopérative. Deuxièmement, où Gauthier avait aidé nous avec les pétro-caribés, ils ont volé les cobres, ils ont dilapidé tout le cobres. Troisièmement, après le tremblement de terre, ils ont donné 2 milliards encore, ils ont volé la fondation et monsieur Gozoto dans l'autre pays, avec Haïtiens, ils ont volé tout le cobres. Et qui ça a fait avec plus de 15-16 milliards de dollars? Et on prend tout le bagage, qui ça a fait avec? Quelques tentes, quelques bouteilles d'eau, quelques sacs de riz, et puis crier dans la télévision, passer mon tête.
gang là seulement. C'est donc, pas, c'est amnistie. Pas, d'abord, ce n'est pas misère seulement qui crée gang là. Parce que... Attendez. Uh-huh. Misère crée conditions pour les jeunes dans la zone défavorisée. Accepter le politicien venu devant les balsam. Okay. L'ambassade de l'avenir, le balsam. L'autre groupe qui gagne l'autre bagarre intérieur, député, sénateur, président, premier ministre. Parce que gang en Haïti, c'est depuis 1994, 1995, il y a armé jeunes garçons. Et nous avons pipi avant, depuis soit avril, nous commençons à faire une dérive avec Zenglendo. Et puis avec le président Aristide qui vient faire et question de l'armée rouge dans la Cité Soleil. Tout nous tous songer, ça qui est passé Marie-Christine Jeune, policière que, qui parle de l'ébaille bandit, mais il a assassiné. Nous tous connaissons l'armée Timanchette, nous entendons tout le bagaille. Tout président depuis 1995, depuis les derniers 30 ans, ils ont tous participé dans l'armée Moun. Tout participe dans le même monde. Tout le monde qui est sous pouvoir, toujours participe dans le même monde. Donc, il y a fait corruption, il y a mis en pauvreté extrême, en misère extrême. Donc, là, il y a un examen dans le même monde. Mais quand il y a Zel Sapat Matisse, hein, ou bien Zel Sapat et quoi des bouquets, ou bien côté, tu as joué une zame qui coûtait 5-6 000 dollars américains, puis il y a des centaines de zames. Quand il y a joué une munition, quand il y a joué un contact, ça y a. Là, il y a un kidnapping de Pétionville ou de l'autre côté. C'est un nègre qui a kidnappé le monde, puis il y a un poté de bain de Kimbe, oui. Donc, je parle de l'amnistie, je parle de l'amnistie pour nous voir qui est gens nous avons sauvé Haïti sans que nous ayons une guerre civile. Parce que l'amnistie n'a pas l'air là. Il y a plusieurs étapes. Il y a la commission vérité. Pour jouer l'amnistie, il faut ou passer devant la commission vérité. Il faut ou expliquer quand on joue un Zamza. Il faut expliquer l'argent Petro Caribou volé à côté de mettre. Il faut expliquer Kaisa ou gagner, comment on fait gagner contre l'argent. Ou mettre les Haïtiens l'argent, suspendre faire kidnapping, suspendre tuer les gens, ou mettre des amis illégales qui sont dans mon nom. Le ça à l'État lui-même a considéré pardonner. C'est ça que l'amnistie a. Mais il faut passer devant la commission vérité, il faut passer devant la commission justice, parce que l'offre de la vérité a pour dire, même si on fait, ou reconnaître qu'on est coupable, mais tout le temps fait, il y a dit, mais ça la justice dit, mais ça la loi dit, mais la loi a bon chance, sous collaborer, sous aider nous comprendre le problème, la complexité du problème, sous aider nous faire comprendre qui est-ce qui va faire ça, comment il a tué mon nom, il a kidnappé mon nom, bah, qui m'a voté l'argent. Vous avez commencé à dialoguer avec ça, non? Non, moi-même, je ne parle pas publiquement, je dis que je suis ouvert pour n'importe quel monde. Quand je parle de la si je veux que je dis à la mettre relim. Si ils ouvrent relim, je dis à la relim. Si Aristide veut relim, relim. Si Maté veut relim, relim. Je dis si ils ouvrent tout relim, parce qu'ils ont tout contribué, je mettre Haïti côté de là. Pas aucun nègre qui est responsable, qui est président, qui est premier ministre, qui est ministre, qui est directeur général, qui n'est pas complice. Dans ce qui a passé aujourd'hui, dans l'insécurité qui est dans la rue. Donc, je ne vais pas prendre pause. Oui, Guy Philippe dit la bah, amnistie pour gang. Non, bah, je ne dis pas amnistie pour tout le monde. Parce que c'est ça son route pour nous faire, pour nous sauver Haïti. Même gens de l'autre pays, tu as courage. Mandela, tu as courage. Pour le bail amnistie, bail nègre, tu as traité nègre noir en Afrique du Sud. Tu as un chien qui t'a tué, qui t'a écrasé, qui t'a bombardé l'école. Timoun, Mandela pour sauver l'Afrique du Sud, il a bail amnistie. Pas vrai? Parce que c'est ça le moment de demander. Henri IV, Henri IV en France, le catholique et protestant, tous les des milliers de monde. Il va faire amnistie avec l'édit de Nantes. En attendant, amnistie, dernièrement, la nègre Salvador, président Salvador, il va faire amnistie. Il va faire amnistie. Amnistie, c'est pour tout le monde. Tout le monde qui fait Haïti tort. D'abord, même, qu'est-ce qui fait Haïti plus tort? Iso ou bien l'équité président, l'équité premier ministre? Gang yo, nous dans la rue aujourd'hui avec examen, jeune garçon, jeune femme, ou bien monsieur qui a une responsabilité pour créer des conditions pour Haïtiens vivre bien dans le pays. Nous ne pouvons pas pardonner les gens, ils ont fait des crimes qui sont impardonnables. Prendre une famille, tuer ou bouler dans nos machines, sans raison, ça c'est des crimes impardonnables. Assassiner deux personnes qui viennent aider, essayer d'aider nos orphelinats, ça c'est impardonnable. Mais c'est pour nous poser une question, comment faire arriver là? C'est mauvaise gouvernance, c'est corruption qui mène nous là. Tout autant nous pas assurer que nous finissons la question de mauvaise gouvernance. Tout autant nous pas assurer que nous mettons frein à la corruption et nous mettons frein à l'ingérence. L'ambassade américaine dans les affaires politiques en Haïti. On a toujours tombé côté de rivière tombé là. Je dis on a un pays côté toute structure de sécurité sous compte étrangère. L'ambassade américaine c'est lui qui contrôle la police, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui met ministre, c'est lui qui met premier ministre. Nous sommes salvés là, il met tout salvé. Et il viole toute loi, aucun monde ne peut dire rien. Si nous ne mettons pas un frein dans une mauvaise pratique ça. On met des Kenya à venir là, tout le monde a venu après 2-3 ans là caillou, situation n'a pas changé. D'ailleurs aujourd'hui pas venir battre avec gang, pas venir battre avec groupe armé. Si pas venir battre avec groupe armé, pas venir battre avec gang. Et pas gagner qui va remettre aux armes. Donc là, au final, il y a 2-3 ans. Haïti a tombé dans un trou pire. Seul j'aime dans un trou, c'est pour nous assurer comme peuple, comme nation. Nous mettons des conditions, madame de Grand. Nous disons, ok, mon l'autre chance, nous baillons toute société. Nous disons, même, vous avez volé comme Petro Caribe, vous avez fait une équipe faux bagaille, vous prenez l'argent, nous prenons pour nous pardonner. Moyennant qu'on remette comme ça.
ou te voler comme tremblement de terre là, nous prier pour nous pardonner. Moi et nous, on remettre comme l'ordine contre comme là. Ou te dans assassiner mon, ou te dans kidnapper mon, ou te gang, nous prier pour nous pardonner. Dine qui est-ce qui bon zame ça? Dine contre joine zame ça. Dine l'argent qu'on fait à côté métal. Dans qui banque, qui structure négocier mettre sous place pour bonne munition. Pour nous comprendre le problème, pour nous entrer dans profondeur le problème et pour nous résoudre le problème. Donc c'est ça qui est amnistie. Ce n'est pas impunité amnistie. C'est bail pays en chance pour le vivre. Et amnistie n'est pas pour gang, c'est pour tout le monde. Et encore une fois, je me dis, les politiciens font pays à plus mal. Ancien président, ancien premier ministre, ministre de l'Union fait pays à plus mal que gang. Donc c'est pour ta compte amnistie. Et pour la plus bon. Élection fin faite ou élu, même avant le prêté serment. Donc, il y a une arrestation qui fait que Arito est maintenant aux États-Unis. Qui expérience tout le temps ça au fait dans la prison aux États-Unis? Qui l'autre Guy Philippe que nous avons aujourd'hui? Bon, je pense que l'arrestation n'est pas là qu'elle va faire. Il faut qu'elle va faire parce que j'ai peur. J'ai peur de discours. Non, puisque c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait de toute façon. J'ai juste retardé. Parce que depuis le samedi clair, et au même temps, nous avons des discours en Haïti, mais au même temps, ils ont analysé. Moins clair depuis là, il faut qu'il y ait justice sociale. Il faut que le pays a changé, il faut que la structure a changé. Donc, blanc avec complice en Haïti, traite de l'intérieur, ils ne sont pas comploter pour faire ça. Ils ont dit qu'ils comploter Guy Philippe a un mandat. Même tout le monde là. Bon, je n'ai mandat, je ne vais pas venir dans le DCBJ. Écoute mandat. Ils ont dit que Guy Philippe c'est drogue dealer. Écoute drogue là. Pour ça, c'est pour l'argent. Comme vous dites, c'est l'argent. Trop l'argent. Écoute l'argent. Ils ne sont pas un dollar. Il va pas montrer un bout de drogue, il va pas montrer un rien, le kidnapper un sénateur premièrement. Mais où te plaider coupable? Est-ce que son stratégie pour ça? Ou pas capable de plaider coupable parce que c'est ça arrive, c'est pas tant qu'à preuve. Ça exactement. J'ai prend l'argent, j'ai présenté le avocat là. Il dit c'est tant qu'on fait on conspire ici. Avait dit ou conspirer avec l'autre monde pour te faire mal. Pour des gens qui étaient dans la drogue qui dit yo ba Guy Philippe Cob. Ou pas contre ça retirer charge drogue. Et puis on dit OK non, c'est là on gagne. Tout le monde finit, il finit comme là. Il dit que Philippe doit dire, go doit dire. Quand il vit aux États-Unis, il dit nous allons dans le jugement. Il faut que vous montrez qui pourrait vous montrer qui pourrait vous gagner contre vous. Oui, parce que. Il dit oui, l'autre est commandé au Cap. Le 13 janvier, avec le 7 janvier 2000, avec le 13 janvier 2000, il date ça plus ou moins. Et comme ça, en semaine, il y a tel bateau qui est aux États-Unis. Il dit que c'est dans le bureau, même il y a aller devant, il y a un cop pour mener les drogues là aux États-Unis. Mais ça, on ne connaît pas. Moi-même, je n'ai pas de pomme. Je fais tout le mois janvier 2000 aux États-Unis parce que petit mois d'après et je suis dans l'accouchement. Mais c'est que c'est un public defender de gain. Non, je suis avocat pam, je suis avocat pam. Donc quand il y a là, je suis avocat, je dis avocat OK mais passe pas me garder pour en 2000, c'est pas là me comment me fait là et puis je dans le bureau mon personne bon comme. Dès lors et c'est celle ça n'est que de gain. Et il y a gain moi prend chaud et puis on dit non, c'est pas drogue, c'est l'argent. On te prend l'argent dans mes drogue dealer. L'autre commandant. Qui a beaucoup d'argent jusqu'à présent au Sojé Bank? Sojé Bank, comment encore? Rapport de 10 paquets de dollars. Al Sojé Bank, nous-mêmes, c'est les journalistes, al Sojé Bank. Al gade pour essayer de faire un seul côté de 3 millions de dollars américains. Un seul jour. Bon, ok, si je joue 300 000 dollars américains, bon, ok, vous mettez condamné. Quand il y a un avocat là, dit comme ça que faut prendre un plia. Ou pas qu'à gagner. Ou pas qu'à gagner en conspiration. Charge ça, c'est Nèg démocrate qui vient en 1995-1994 qui mettait le plus crasé Nèg noir aux États-Unis. Depuis que vous mettez conspiration sur vous, n'importe qui prend en prison, vous dites ok, vous dites oui. Dites oui, devant monsieur. Il n'y a pas besoin d'aucune preuve, non? Deux mondes. Et l'autre, vous mettez conspiration sur moi, vous prenez n'importe 10 nègres en Haïti dans la prison, pour vous dire ok, oui, nous allons défendre. Généralement, le public attorney, ça nous est. Les... Public defender? Non, public defender, c'est avocat, l'État mettait à la disposition. Ah, on parle. On parle de attorney général, là, c'est comme si on a du commissaire. Prosecuteur. Oui, prosecuteur. Le offre plus bargain, là, c'est comme si on a dit qu'il y a un pile preuve. Il connaît que pas qu'à venir défendre vraiment ou bien. Donc généralement c'est ça. Non, elle comprend. Vous connaissez loi et base, il va basé sur loi germano-urbanique, c'est sur jurisprudence américaine. Okay. Donc il n'y a pas besoin de preuve, il n'y a pas besoin de rien. Depuis qu'il y a deux mondes qui disent oui, mais ça a été fait. Ou pas même besoin qu'on monde y a condamné. Quand il y a l'un dans la prison qui traitement ou est-ce qu'il y a des monde qui viennent parler avant qui viennent dire des bagailles comme si m'ta dire de l'autre bagaille. Parce que pour juste qu'on y a en Haïti mon toujours un doute dit qu'est-ce que ça t'a dit à Guy Philippe, est-ce que le bon mission, est-ce que d'accord pour le fond bagaille le tourner qui comment traitement eh bien si mon bon mission pour me faire une révolution météo dehors dans pays mais tout le monde quel que soit ça dit au monde là
Comme si on a toujours dans la tête lui. Mais comment traitement généralement là dans prison? Bon, je suis prisonnier, mais je traite dans mon prisonnier, mais ça qui passe tout prisonnier pas tout le même traitement. Ça dépend en moyen. Si vous avez un moyen dans quel que soit pays où vous pouvez faire prison en plus bien. Qu'on l'autre. Vous cachez le téléphone, vous avez tout ce que vous avez, vous mangez plus bien. D'ailleurs, dans la prison, par exemple, c'est pas la prison Haïti, vous avez une maquette, vous avez lâché belle tennis, vous avez tout ce que vous voulez manger, vous avez un micro, vous avez tout le bagaille. Toute prison, vous avez le même traitement, ça dépend de vous qui sont dans la prison. Toute prison aux États-Unis, c'est comme ça. En tout cas, dans tout ça, moi, quand vous avez un moyen, vous avez un moyen pour vivre bien dans la prison. Et c'est comme ça que vous faites, vous même respectez mon lacage. D'ailleurs, les policiers n'ont même pas la vol dans la prison. Au moment où ils font comme ça. Donc, pendant qu'on a fait toutes les autres en Haïti, quand on arrive là, on ne peut pas faire même des autres là. Mais ils sont condamnés au mal. Ils sont grâce parce qu'ils contrôlent le système. Les juges sont allés, mais ils font un petit bagage, ils ont 50 ans. Parce que c'est les grands mondes, ils ont enlevé. Là, c'est dans ça qu'ils prennent les nègres noirs, les minorités des États-Unis, ils ont crasé, ils ont pris. Mais je dis à moi, je défie les États-Unis. Je défie eux, je dis publiquement. Et je dis aux pauvres bagages dans ça, je dis contre moi. Pourquoi ça va faire? Non, on aurait été dans le traitement. Est-ce que. Pas qu'il y a aucun traitement. Est-ce que tout prisonnier traité même prison, qui vient pas la voie, tout prisonnier traité même gens, États-Unis. D'ailleurs, pas même caval. Je dis aux policiers, pas même caval avant. Policiers, pas même caval avant. Ils pas même toujours comme ça. Non, mais. Pour ça, on charge de mettre sur ces bagages politiques ou bien des bagages, sous dit son conspiration ou bien c'est. Oui, on dit conspiration. Mais après ça, en cachette ou bien, ça, il y a des gens qui viennent pas la voie, qui disent comme ça, etc. Et then. Non, tout le monde a été là pour poser. Il y a une télévision, dans Hollywood. Non, mais. Pas mal comme ça, Roger. Comme si on finit plus, j'ai pas de nom et pour tourner, ça n'a pas grand monde. Qui ça a fait? Comment t'as fait un légalement, comment. Attendez. Et pas États-Unis, et pas Haïti, États-Unis, me dit. Si tu as fait mon seul jour, je me suis fait. Et puis tu as fait mon jour, vous devez. Non, mais. Le fait que son complot qui fait tout. Ok? Parce que. Il fait un complot, mais il faut que tu aies une base. Tu campes sur le bagage, tu dis, ok, c'est comme il a gagné un bagage. Tu campes sur la base. Quand il y a l'air, on finit. Qui ça au cap dire quoi? Non mais le fait que son complot était fait sur Gomba que était peu avant. Mais qu'on y a l'offin là, qu'on y a là. Parce que on habitué à haïtien depuis blanc parler, blanc arrêté haïtien fini. Combien de monde qui était penser que me cap venir là me venir parler en Haïti. Ah l'appel peuple blanc bagaille blanc au casé la tourner coco belle pas même cap parler. C'est ça tout le monde dit. Il y a ballon piqui. Tel que regarde Hollywood oui. Tel que regarde film. Non mais on pensait que ce gars de bagaille qui compte fait réellement. Ouais, mais on même debout prend toutes mesures. On met fois on bagaille pour pas aller dans l'hôpital. Les relo pour venir prendre piqûre, pas prendre piqûre, pas prendre graine, pas manger non mais n'importe qui genre. Qui ça va voir? Il y a quand monde qui pense que l'autre est tourné en Haïti, tu vas le poser. On va poser là. Non, ça me dit l'homme dit poser, ça veut dire pas dans politique encore ou après régler affaire ou ben ça ou pas prendre spotlight là, pas y a monde qui t'a connait vieux. Donc pour me poser pendant que peuple mourir dans misère. Pour me poser, parce que tout le monde va aller à l'école, parce que tout le monde va manger. Pour me poser, les grands monde viennent faire toute vie au travail. Quand on arrive à 65 ans, il n'y a aucune politique. L'État pour aider les grands monde. Et on fait toute vie au travail pour l'État. Il a fait agriculture, il n'y a aucune assurance sociale. Il y a un petit la fièvre tout. Pour me poser, mon femme, si l'ancien Ligon et Club, s'il mourit, là, c'est celle qui est deuxième commune dans la grandance. En superficie, en population. Ou pas même bien, ou pas même café en éclampsie. Il va même capter ton éclampsie si femme dans éclampsie c'est vrai local ou bien pour le jeu. Alors devant toute bagaille ça, devant toute injustice ça vous n'êtes pas rentré la caille au chita, comment t'as senti? Yo qu'on est pas style moi. Gigon moi m'écrivait et selon ça la presse t'a montré et selon ça bah il t'a montré où t'es en conversation avec Guy avec Moïse Jean-Charles, ancien sénateur Moïse Jean-Charles et nous t'es même peut-être commencer à dialoguer son éventuelle peut-être alliance entre guillemets j'aime dire et dès le départ où tu es contre conseil présidentiel là sénateur Moïse Jean Chaldou dans l'époque et finalement monsieur font virer lui aller vers conseil là donc est-ce que vous pensez que c'est une sorte de trahison ou bien bon moi c'est si sénateur a fait trahison et tête le trahi la révolution pique dans que tout le monde même moi même qui viens avec moi. Si je fais un macaque, la révolution a mangé, je la passe sur moi, je la continue. Parce que grand pile monde dans la population est d'accord. Grand pile monde dans la population comprend. J'ai la population ouverte. Il faut qu'il y ait un changement réel qui fait. Donc c'est le sénateur lui-même qui a dit pour ça le fait et coupe ça. Seul ça m'a dit que la révolution a privé côté pour le rivière là. Et tout le monde qui fait coupe, qui vend dans la conscience, pour l'âge, ou bien pour le privilège, qui pense qu'ils sont intelligents, m'a dit au peuple par contre perdu bataille. Le peuple haïtien a gagné bataille ça.
Et révolution, c'est bataille peuple haïtien. Et bon, je dis, il y a une structure qui mettait en place. International Ankadi mettait une structure ça là en place. Et il y a un premier ministre, il y a un président conseil. Et la bataille a lui-même entre temps continué. Premièrement, il fait blâmer parce qu'il est arrogant et surtout parce qu'il est haïtien bien. Dans ces affaires, ils mettent dans une logique pour nous venir accepter ça au fait là. Insécurité n'a vivre en Haïti, son insécurité organisée, supportée, encouragée par toute élite haïtienne corrompue et par un paquet d'ambassades en Haïti. Tout le monde connaît. Pas gen youn là dans l'ambassade dans Bayo, dans gros secondaire qui va en contact avec monsieur et quartier populaire. Les bruits relé relé. Les bruits voyer sien en alwe et faut que ça le n'importe Bayo aller yo connait qui jambe appel puis aller bruits donner. Donc tout ce qui a fait zam ça bay munition bay sorti monsieur ça a fait qu'on ça fait tout ce qui a fait là c'est n'a victime pour même raison République démocratique Congo a victime pour ressources nous ça n'est dans sous-sol tout ça qui a fait là il y a des zones qui gagne monde que nèg besoin venir fouiller pour venir voler et seul Jean Brouffel pour cap faire bien c'est mettre monde ça dehors après c'est ça fait vous pensez que tout petit caïboy porte il t'a craser douce la gang vous pensez il était nécessaire il a besoin zone là il prend pour y aller fouiller, pour y aller voler. Il y a besoin de Matissan. Il y a besoin de tout côté de richesse. Nous avons l'iridium, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole, nous avons l'or. Et nous avons l'autre bagaille. Ils veulent continuer, piller, voler, déchirer. Et ils ont organisé, ils ont fait mon bac à vivre dans le pays, puis ils mettent deux dans la zone, ils ont même pu venir exploiter, venir voler. Après, ok, qui politique ça a pour dire que oui, ils ont dit bandit a boulé toute la ville. Qui raison? C'est moun qui veulent mettre deux. Et c'est blanc qui a la tête, bagaille ça. Donc nous avons souhaité que la société haïtienne dans OVG comprenne la complexité de la bataille que nous avons menée là. Parce que ce n'est pas facile. Le peuple n'est pas contre Bédu. Il est puissant. Nous connaissons une pile puissance, mais il n'est pas tout puissant. C'est le seul peuple qui est tout puissant. Donc encore une fois, je dis à la, quittez-vous mettre conseil, quittez-vous faire des ordres, quittez-vous faire macaque. Le peuple a le pouvoir, à mon gré, il a le pouvoir. Ou bien j'ai eu le Sri Lanka, ou bien j'ai eu le Sénégal. Ou bien c'est le peuple qui peut aller. Quand bail pouvoir Joël Bailly Sri Lanka retire la même mon nivelé ou bien la Bailly Joël Bailly mon nivelé dans Sénégal si on met des conseils là sans doute conseil de transition sans doute pour gagner élection ou on va pour la élection si on fait élection moi non équipe politique nous avons une plateforme et c'est ça nous on a discuté et là nous prend décision on a fait tout le monde connaît même k'ap dou une équipe k'ap travaille nous d'ailleurs nous gagne délégation qui en Afrique actuellement là nous gagne délégation qui en Amérique du Sud que nous voyons en Amérique du Sud. Et moi-même, personnellement, je voyage mal en Turquie, mal en Russie, mal en Afrique.